Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un tout nouveau top 3. Donc si vous êtes à la recherche d'une lampe de chevet en plus connectée, vous êtes sur la bonne vidéo tout simplement. Voilà, si vous cherchez une lampe de chevet mais en plus de ça connectée pour recharger votre téléphone, eh bien c'est super bien. Donc là l'avantage que vous avez, donc je vais vous présenter trois produits bien sûr comme d'habitude. Vous avez aussi donc l'avantage sur celle-ci, bah, c'est qu'elles sont ultra connectées et en plus elles consomment quasi rien en termes d'électricité. Et en plus de ça, vous avez les liens de ces trois produits en description si vous souhaitez avoir un petit peu plus de renseignements. C'est toujours le cas. Et puis si vous avez aussi bien sûr de l'acheter, ben, ce sera en description bien évidemment. Donc là pour, on va partir du plus petit, enfin, du plus gros prix au plus petit prix. On est dans les alentours entre 20 et 40 euros gros maximum pour ces lampes de chevet là. Donc pour la toute première, c'est une lampe de chevet justement avec un chargeur sans fil de 10 watts pour chambre, voilà, pour n'importe quel type de chambre. Il n'y a pas de souci. En plus celle-là elle est circulaire. Donc elle a un anneau entre guillemets que vous allez pouvoir mettre dessus. Donc vous avez plusieurs intensités, donc low, medium et height, qui vous éclaire de plus en plus ou moins ce que vous souhaitez. Bien sûr off aussi. L'avantage c'est que vous avez 3800 à 4200 Kelvin. Donc en gros c'est la luminosité que vous souhaitez avoir. Enfin surtout la chaleur que vous souhaitez avoir. Donc ça dépend. Et puis la luminosité aussi bien évidemment, qui va y faire face aussi là dessus. C'est très bien que ce soit pour un bureau, que ce soit pour une lampe de chevet, voilà, pour ce que vous souhaitez c'est vraiment très bien. Pour dormir, en plus, elle éclaire pas forcément trop. Donc, si vous avez un conjoint à côté, ben, c'est toujours bien de pas trop. Si vous voulez aller aux toilettes la nuit ou si vous voulez allumer votre. Voilà, pour lire, etc. Ça peut être vraiment parfait, même pour travailler, c'est toujours ça de prix. Voilà, en plus, grâce à ça, vous avez un bras de lumière qui peut être tourné de 0 à 180 degrés. Vous pouvez aussi régler la lampe sur l'angle d'éclairage idéal pour votre environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, vous avez justement doté d'un chargeur sans fil de 10 watts. Et ça c'est un plus, voilà, donc vous pourrez recharger pendant votre nuit si vous avez un chargeur sans fil au niveau de votre téléphone. Chargeur à induction, hop, ben direct vous le mettez dessus et ça se charge directement. Donc c'est vraiment parfait, ça marche aux petits oignons. Donc voilà, je vous la mettrai en description pour celle-ci. Pour le prochain, donc on est sur une marque Kakanuo. Donc Kakanuo c'est pareil, c'est une lampe connectée. Alors celle-ci vous allez devoir mettre justement des ports USB, c'est pas un chargeur sans fil. Si vous voulez recharger vos téléphones, c'est totalement possible. Vous pouvez même recharger jusqu'à deux téléphones si vous souhaitez, voire votre tablette, votre voilà, plein de petits objets connectés. Alors bien sûr ça rechargera tranquillement, mais vu que normalement vous êtes en train de dormir, et bien ça va recharger toute la nuit votre téléphone ou vos appareils que vous avez besoin de charger ou maintenir en tout cas. Et bien tout ça, ça peut se charger. Donc en plus vous pouvez brancher deux appareils, donc c'est quand même un plus. Pareil au niveau de la lampe, ouais, forcément on est là aussi pour ça. Vous avez plusieurs intensités, plus ou moins grandes. Elle est un petit peu plus classique, celle-ci. Elle se forme surtout bah, pour vraiment quelque chose de plus épuré. Ça dépend de ce que vous recherchez, un type de design, etc. C'est un peu un classique, mais c'est un peu ancien aussi. Donc c'est un petit peu côté rétro. Vous avez juste après voilà, à changer, à l'allumer ou à l'éteindre, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, vous avez une sorte de bas-jour en fait. Donc de cône, enfin du moins un carré. Donc vous avez une lumière qui est déjà à l'intérieur de celle-ci, qui est à LED aussi. L'avantage c'est que vous avez donc une ampoule E27 qui n'est pas incluse. Donc cette lampe bah, s'achète bien sûr en bricolage, etc. Donc une ampoule que vous n'êtes pas du tout, donc vous n'avez pas du tout, soit vous l'achetez directement. Donc je vous la mettrai peut-être en description l'ampoule, mais voilà c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc c'est une petite ampoule que vous prenez avec. Malheureusement elle n'est pas donnée pour celle-ci, mais vous avez quand même 60 watts de consommation. Donc elle est à LED au niveau de cette source, et elle fait 700 grammes seulement. Donc je vous la mettrai en description, bien évidemment. Donc pour le prochain, c'est une lampe de chevet qui est multicolore, que bien sûr vous pouvez mettre sur un bureau, sur une lampe de chevet. Celle-ci, elle se met un petit peu partout. Et l'avantage que vous avez, c'est que celle-ci, par contre, peut se mettre sur plusieurs couleurs. Alors vous ne pouvez pas forcément connecter de téléphone, etc. Mais vous avez une lampe de 360 degrés multicolore. Donc ça, c'est multicolore, c'est ça qui est bien. Comme ça, si vous voulez mettre aussi, bien sûr, une plus grande ou moins grande intensité, c'est totalement possible grâce à cette petite télécommande. Et en plus de ça vous pouvez changer aussi de couleur plusieurs fois dans le même temps. Voilà, donc vous avez de petites entre guillemets luminosités, différentes luminosités, donc plusieurs schémas différents. Donc c'est quand même un petit plus aussi pour cette petite lampe qui fait seulement 92 mm, donc 9 cm de largeur, et en hauteur elle fait même pas, voilà, elle fait exactement 15 cm. Donc comment vous dire que franchement c'est pas une très grosse ampoule, etc. Et en plus de ça, c'est une veilleuse à LED, donc qui est rechargeable avec une puissante batterie rechargeable intégrée. Donc elle peut être chargée avec un câble micro USB à tout moment, même en cours d'utilisation. Une batterie complètement chargée fonctionne jusqu'à 25 heures avec une luminosité minimale et 8 heures avec une luminosité maximale.
Donc en plus de ça, elle est justement rechargeable. Donc même, vous pouvez la laisser recharger constamment. Et si un jour vous n'avez plus d'électricité, ben, vous aurez quand même cette batterie qui va fonctionner justement pour pouvoir vous éclairer la nuit. Donc c'est quand même un plus et que vous pourrez garder bien sûr sur plusieurs années. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à aller voir les trois liens en description. Si vous êtes un petit peu curieux et si vous avez envie d'acheter un de ces produits. Et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.